وعيب اسكاكت او جوجلك اكتشت وسكاكت عشتب يلا على اسكاكت فلف بيزو. Oui, j'étais au téléphone. C'était mon employeur, le grand ancien, et on devait mettre au point 2-3 trucs avant de démarrer ce stream, parce que bah, aujourd'hui, on va encore aborder une nouvelle fois l'exploitation à son insu de son image. Oui, le grand ancien, vous le connaissez. Alors que tu l'as, oui, ça vous remettra peut-être mieux les choses en place. Et donc, oui, moi je suis un simple employé de Cthulhu, et donc... En général, je m'occupe de ses parties droit, c'est-à-dire gestion de l'image et tout ça, et c'est vrai que ces années, ça part largement en couille, si je puis dire, puisque on le retrouve un petit peu partout, y compris même dans des situations plus ou moins cocasses, puisque, je le rappelle, le grand ancien n'a pas besoin d'être élu. Le grand ancien est l'élu. Oui. Et vous en découvrirez davantage en lisant les bouquins de Lovecraft, qui vous feront comprendre à quel point le grand ancien est ancré dans votre psyché, dans la psyché humaine. Ça y est, je vous ai calmé pour l'intro du stream? Vous avez les pétoches déjà? Ah, c'était le but. Ah, c'est pour rire, c'est Halloween le jour où j'enregistre ça, et donc on va se faire un nouveau jeu Call of Cthulhu, fait par Cyanide, je crois, et qui est supposé nous emmener aux frontières de la folie. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que le jeu va être praticable d'une part? Est-ce qu'il va être intéressant? Ça, on lui conseille plus qu'autre chose, puisque c'est quand même issu de volumes de romans assez nombreux, et de légendes et de développements incroyables tout autour de ce concept du monde ancien. Et puis, pourrait-il s'avérer passionnant en fait? La réponse, tout de suite après un flash adoption d'animaux abandonnés. Non, pas de fail, je suis désolé. Et oui, quand c'est pas de l'émulation en général, le stream fonctionne plutôt pas mal. Alors on va vérifier quand même que vous avez bien les retours comme il faut et le volume assez fort. Parce que si je dois faire des bons, j'ai bien l'intention de pas être le seul. Entrons dans la folie et ajustons la brightness. Alors vu qu'aujourd'hui je me tape, et oui c'est en pleine journée exceptionnellement que j'enregistre ça, je me suis levé très tôt dans la nuit. Enfin, votre nuit, c'est mes jours, je vous le rappelle. Mais bon, vous demanderez au grand ancien, il vous expliquera. En employé, on a des protocoles de fonctionnement qui sont vraiment particuliers et que les gens ne peuvent pas toujours comprendre. Paye ton new game, chérie. Paye ton empty slot. Comment ça, c'est un O? Non, non, moi je mets un U. Ton empty slot. Ah, tu l'aimes ce silence, hein. C'est le silence inquiétant du démarrage de stream. Alors, un jeu d'aventure, exploration, je sais pas, action peut-être, un FPS, on va savoir. Je ne connais absolument rien de ce jeu, je n'ai même pas regardé une bande-annonce ou quoi que ce soit, puisqu'il y a eu tellement de produits faits sur Cthulhu que c'est devenu une franchise, hein, les enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon employé m'a envoyé. Entrons dans la folie. Avis qu'un petit tour dans les options ne ferait pas de mal. Et c'est là que tu vois que tu as quand même un jeu fait par des pros, puisque c'est déjà mappé par défaut correctement. Ce qui fait un peu plaisir, et ce qui est un poil normal. Settings, est-ce que je pourrais vous mettre des subs en français? Ouh là là, j'entends le ventilo du PC qui est en train de monter en vitesse. Alors je vous rappelle que The Big Gameski, c'est quand même des streams sur une machine qui a plus de 8 ans. Et que parfois, c'est un challenge. Puisque je dois vous avouer qu'aujourd'hui j'en suis au point où
Ma carte mère est en train de rendre l'âme, puisque les condensateurs autour du pros ont pris des couleurs un petit peu brillantes, qui indiquent une surchauffe régulière, et font comprendre que, inexorablement, il va falloir changer. Oui, il va falloir changer tout ça. Alors, je suis en QHD, on va descendre ça, hein. Ça améliorera pas la fluidité, puisque le jeu a l'air de tourner bien, là. Mais ça va me rassurer parce que là, le ventilo, je devrais mettre le micro à côté quoi, du boîtier, c'est assez extraordinaire. Je pourrais me faire masser les pieds en mettant les pieds sur le boîtier du PC en fait. Yes! Alors, je vérifie que le stream reste correct lui aussi, parce que ça serait quand même moche. Voilà, là le jeu carbure à fond, ça va bien se passer. Ok, donc j'ai pas de sub en français, c'est triste ça quand même. Bon, vous allez voir que normalement on devrait pas avoir un langage très scientifique, à moins que, on va savoir. Les contrôles, on va rien toucher et on va dire qu'on est bon. Ah, oh, il est vif le gougre. Alors je vérifie dans le retour. Oui, vous êtes parfait, mes kiki, venez, on y va. Oh putain, ça va trop vite même pour moi. Si je dois viser quelque chose, ça va être triste. Je vais juste me... Je suis désolé. Je vais juste me régler le curseur souris. Parce que là, ça va être... un poil moins, petit petit. Yes. Hop, hop. Ça va mieux. Ça va un poil mieux. C'est un poil vif, mais on survivra. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin? Apparemment, il y a eu des promos à la poissonnerie. Ah, maintenant, on me dit que c'est le son du jeu qui est trop fort. Oh, faut savoir, les gars. Ça y est, on a bon. On va pouvoir y aller pour de vrai, là. Et oui, les coupures d'immersion, c'est grave. Donc, je retourne dans ma poissonnerie. Alors, je vous rappelle que tuer des requins, franchement, c'est pas une des meilleures idées, puisque ces animaux, c'est grosso merdo, les chats des mers. Ils sont pas méchants, contrairement à ce que dit la légende. C'est juste, faut pas les emmerder. C'est moche de tuer des requins. Tuer des dauphins, il y en a plein. Ok. Ok. Est-ce que je peux interagir avec cette porte qui va me dire qu'elle est verrouillée de toute manière? Mais je suis tellement un connard que ce serait moche de pas m'en servir. Tu veux bien faire une action? Non, oui, peut-être. Cette porte m'a l'air bien verrouillée. C'est dommage. Enfin, s'il y avait rien qui m'intéressait. Courir, tu peux? Non, courir, tu n'as pas envie. Non, 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 non. J'aime pas trop les soucis d'interface comme ça, c'est toujours gênant. Entrer, tu ne pourras pas. Ça a été fait avec le fion. Le i pour inventaire, non. Ok. Non, mais c'est toi le boss. Je pourrais couper cette chaîne qui m'obstrue le passage et je vais le faire. Car je sens que le summum de l'interactivité est avec moi. Crac! Quand faut pas y aller, j'y vais, vous me connaissez. Alors, tu es libre, mais tu vas suivre le chemin qu'on t'a désigné, hein? Parce que la liberté. Bof, non, je trouve pas. Enfin, t'es pas encore allé chez ma belle-mère, mais c'est un peu pareil, hein.
Bah là, la campagne, faut dire. T'avais tué le cochon, quoi. Mon Dieu, quelle course poussive. Alors, je suis pas allé tout à gauche. Est-ce que je serai amené à le regretter un jour? On ne le saura pas. À moins que ce soit verrouillé pour mon plus grand bonheur. Here comes the doom. Oui, tu as raison, Jean-Philippe. Je vais rapprocher le micro. Si tu supportes pas, bois-en pas, mon gars. Donc, je suis un détective privé. Et je vis de petites missions plus ou moins intéressantes. Et donc, je vais pouvoir développer mes skills au travers de ce jeu. Puisque ce jeu va m'amener à pour ne pas tomber dans l'insanité, c'est-à-dire la folie, va m'inviter à progresser dans différents skills qui ont l'air très motivants pour l'instant. Je vous rappelle que je ne suis jamais cynique hein, dans les streams. Ce serait moche. Donc je suis déjà level 3 là-dessus, mais c'est extraordinaire, quoi. Ok, Sanity. Alors, je rappelle pour les gens qui sont complètement noobs concernant l'univers de Cthulhu, c'est que la santé mentale fait partie intégrante de l'environnement de ce concept. Ça veut dire que les joueurs en général, enfin à la base, les lecteurs surtout, on va leur décrire des choses qui sont plus ou moins normales, plus ou moins étranges, et plus ou moins horribles, mais qui en fait, la plupart du temps, n'offrent aucune preuve que ce que la personne voit, ou ce que la personne se fait narrer, est une réalité, à proprement parler. Ce qui veut dire qu'en fait, le concept de Cthulhu, c'est de vous mener en bateau plus ou moins, puisqu'on va complètement vous décoller de la réalité. Et il va arriver à un stade où vous ne saurez plus trop ce qui est crédible de ce qui ne l'est pas. Le grand talent, justement, quand on fait un jeu basé sur ce concept, sur le concept de Cthulhu, c'est d'arriver à gérer ça aux petits oignons. Puisque quand c'est réussi, vous avez une expérience où à la fin, vous êtes relativement chamboulé, quoi. Maintenant, faire un point and click avec Cthulhu, ben c'est un produit commercial et c'est inintéressant. Faire un roman avec Cthulhu, c'est inintéressant aussi parce qu'on en a déjà plein et ça sert à pas grand chose. Vous pigez bien ce que je veux dire, c'est que en fait l'idée c'est de prendre le joueur et de lui faire quitter sa réalité et de le faire douter en permanence et douter jusqu'au point le plus extrême où il doutera jusqu'à lui-même. Là va se révéler la grande finesse. Je sais pas si on va l'avoir dans ce jeu, je peux pas me permettre de critiquer, puisque ça fait 5 minutes qu'on est dedans et on le découvre, et il est très bien programmé niveau rendu, puisque on a quelque chose qui est super speed du coup, c'est vachement bien. Un petit whisky au réveil, c'est toujours bien. Ouais, mais moi je suis pas là pour admettre les illusions ni les réalités. Donc je peux être complètement déchiré. Ça fait partie des concepts. Une machine à écrire, c'est même pas une Clark Nova, il y aurait eu un petit hommage à faire. Je vais y aller un petit peu à la porte, hein, puisque
Le but, c'est de vous faire découvrir le jeu et de vous donner envie d'y plonger. Et puis de mettre éventuellement en exergue ses gros défauts. Linguistics, archaeology. Hop, je baisse un poil les retours. A good old story of blackmail in a speakeasy. On n'a pas de super enquête aujourd'hui, dites donc. Bon, je vais rebondir un canon puisque c'est comme ça, la maison me le propose. Yes! Tu ne veux plus affecter mon destin? C'est dommage. Parce que je commence à vraiment me sentir bien dans ce jeu, je dois te dire, hey, t'es mon pote, toi! Alors, des cas relativement anodins. Apparemment, la vie d'enquêteur n'est plus ce qu'elle était. On s'emmerde déjà. I used to be an avid reader. Ah oui, tu lisais quoi? Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Bon, on va peut-être s'en aller. Business here to attend. Sérieux? I have business here to attend. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? On a fait le tour, Coco. Been too long since I've slept in a bed. Allez les gars, je suis coincé. Attendez, je vais boire un coup. Bah, c'est important quand même. L'inspiration, tout ça, vous croyez que ça vient d'où? Ouais, je pense que je suis sur la bonne voie. Natural sciences, linguistics, archaeology. Mais je me rappelle plus où j'ai rangé le téléphone dans ce bordel. Normalement, c'est sur un bureau, un téléphone, je veux dire. Oui, je suis Edward, l'enquêteur bourré. La spatialisation est pas top, hein. Ah, chaud. Ah, ben voilà. Oui, ben c'est pas un téléphone en bas de Kedic non plus. Hein. I'm listening. Ben oui, c'est moi, poupée. Si, ça se passe. C'est ennuyeux. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Donc j'ai un point de bonus que je peux me donner. Est-ce que je peux me le donner partout? On va commencer par ça. Je vais être un bourrin. Un bourrin malin. Et plein d'astuces mentales. Ah mais c'est des pourcentages qu'on monte avant de pouvoir déverrouiller le truc. Ça va être moins facile que prévu. Pardon. Yes, it's validate. Je sais pas si tu peux poser ce que tu veux. Work is scarce. Oui. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Je joue là parce que je ne peux pas détourner le regard. Et ça me fait rire. Mais me voilà, mais c'est vraiment moi en plus. I'm coming. En plus. En moins. Je vous dis pas quoi, vous pourriez être déçu. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem.
and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Là, normalement, il y a un roux, comme Barney dans les Simpsons. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? A painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Ok. Bon, moi, si je dois dire ce que je vois en premier là-dessus, je vois un sanglier et je suis prêt à tirer, quoi. Ou un cycliste en VTT. Non, il n'y a aucun rapport avec l'actualité. Mais bon, ça fait bien rire. It's as if Sarah Hawkins breathed a message. Oui, c'est bien sanglier. Hop, donc on va avoir pas mal d'investigations à faire, ce qui est tout à fait normal. Et on va regarder cette petite note que nous a laissé le pépère. Hein. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Plutôt mince, mais bien fourni. Hein. On va pas bouder. Ah, c'est tout collé ensemble. Ah, c'est spécial. Ok. C'est magnifique. Et au dos, on voit qu'on a de nombreuses informations, mais qui ont été effacées par le grand ancien lui-même. Il ne voulait pas qu'il y ait de traces. Comment ça, je mélange tout pour rendre le stream intéressant? Bah oui, parce que pour l'instant, vous avez peut-être remarqué que... Mr. Pierce, what do you make of these elements? C'est long. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had... visions, everyone knew that. Donc elle a des visions comme moi. She fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Darkwater.
Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. The sender's label mentions... On l'a déjà fait. 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Ok. On va éviter d'utiliser toutes les options de dialogue, puisque ça devient un petit peu mort, quoi. Que ça y est, il y en a qui se désactivent. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Ok, Doc Doc. Her husband was a big deal. On va tout effaire, hein, bêtement. Comme ça, on saura comment le jeu se comporte. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions. Vu qu'il n'est pas pensé en vert, je clique connement dessus. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter? That is what you go to Darkwater. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let something's up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater. Death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Alors, on va avoir de la lecture, hein. Si on veut détricoter toute cette embrouille qu'il y a entre la mort de Sarah, cette prémonition, cet incendie fatal, ça va être pas mal. Alors, je suis désolé, hein, je vous le rappelle, je vais le faire à l'arrache. Le but, c'est de vous faire voir le jeu dans toutes ses phases un petit peu, sans trop en révéler. Ça, ce sera à vous de l'explorer. Ah, le grand ancien m'envoie un SMS. Oui, j'en révélerai pas trop, promis, dans ce stream. Oh, il est inquiet, il suit tout en temps réel en plus. On peut rien faire tout seul. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. I used to be an avid reader. Bah, si t'avais un bouquin, tu pas là. An avid reader. T'as pas internet? Moche ça. T'aurais eu Maps, t'aurais pu trouver Darkwater direct. Après t'aurais appelé un Uber et... Ah zut, c'est peut-être pas la même époque en fait les gars. C'est moche. Bon, Darkwater, je crois pas, j'ai trop de documentation ici. Y a pas de bouquin évident sous mon pif. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Eh bien, vous savez quoi, les amis? En route pour Darkwater! All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat. Natural sciences, linguistics, archaeology. Allez, run.
Alors, le truc rigolo, c'est que Darkwater, c'est un très très bon film asiatique aussi. Un film horrifique qui est pas mal foutu du tout. Alors, je crois qu'il y a eu des remakes ricains encore derrière. Ne tombez pas dans le piège du remake ricain. Regardez l'original asiatique. Il vaut son petit pesant de cacahuètes et il vous mettra l'ambiance pendant une petite heure et demie. Darkwater. Minutes de mise en bouche, pas moyen de trop vous en dire sur si le jeu est bien ou pas bien. Pour l'instant, on a vraiment fait juste connaissance. Je vais répondre au grand ancien, sinon je vais me faire engueuler encore et je vais avoir des travaux supplémentaires. Oui, parce que j'ai plein de travaux, mais je vous expliquerai après, je crois. Voilà. C'est Foggy. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Alors c'est assez étrange comme sentiment, puisque le jeu porte un petit peu un côté old school sur lui, niveau jeu d'aventure, exploration. Et du coup, ça se ressent beaucoup. On n'est pas là pour en prendre plein la gueule visuellement, même si c'est pas mal fichu. Hein. Pourquoi tu me colles, toi? Même si c'est pas mal fichu, c'est...
n'y a rien d'extraordinaire. Le jeu ne repose pas sur ça, pas sur son apparence. Alors, faut placer tous les espoirs dans sa narration. Apparemment, une sardine s'est échouée. Same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You don't put that beast back in the water, you shysters, you're crazy! Les fonctionnaires, des gens toujours aussi sympas. Hors plat du jour. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ah ouais, c'est la prohibition. C'est moche. On va fêter ça en picolant un petit peu. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. I behaved like a Hun. And I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Ça manque de concours de crash. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Ok, donc la femme à la cigarette, celle qui organise le trafic d'alcool. Mouah! Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Sure. I wouldn't say no to a glass. Try this. Attendez, attendez, je vais le faire en sur-round. Alors moi je suis sûr de ce que j'ai à la maison, puisque c'est un 7 en d'âge. Et 7 en d'âge, c'est pas un whisky, c'est un vrai rhum. Un abuelo, pour être précis. Laissez-moi voir les gars, j'ai pas le temps de tout faire là. Je recherche l'entrepôt, oui, on va y aller quand même. Warehouse 36. Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Bah, on va y aller quoi, on va essayer de faire bref. That'll be all for now.
Et on va aller voir la brunette qui apparemment m'a l'air quand même pas loin d'être la cheftaine du coin, il me semblerait. Puis elle est bonne, je sens que j'ai une ouverture. Talk to Fitzroy. Oui, mais je sais pas où il est, je sais pas qui c'est, et je m'en fous, je veux parler à la dame. Salut, ça va? What you looking at, stranger? Une bonasse. The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. Attends, tu veux que je te dise un truc que tu connais pas? Alors, qu'est-ce qui est rose long? Let me drink, stranger. Ok, tu n'as pas l'air commode. Je pense que c'est une brouteuse de moquette. Eh oui, non mais parce que vous avez vu le look que j'ai, personne ne peut me résister quoi, avec la tronche que je me trimballe. Il manquerait plus que je marche avec des camarguaises, bon c'était pas trop d'époque, mais... Je sens que vous allez m'ennuyer, vous. Les chants marins, c'est un truc que j'ai du mal à supporter. Non, surtout pas. We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Salut les poches. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations. Gifted with its own consciousness. Until it finds a new reader. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Ok, donc je mémorise les indices que je rencontre au fur et à mesure de ma petite balade. Et donc on va aller voir Fitzroy, qui devrait être dans son HQ. I brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Okay, boy. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Alors, l'intérêt de faire pivoter des objets en 3D sur lesquels il n'y a aucun intérêt à les faire pivoter en 3D, je trouve ça absolument génial. Oui, c'était ma petite voix intérieure qui avait besoin de s'extérioriser. Parce que c'est un peu comme tous les jeux récents avec les moteurs accessibles, Nrio, les compagnies. Les gens vous matérialisent des endroits avec les placards et les tiroirs qui s'ouvrent alors qu'il n'y a absolument rien à choper dedans. Et le réflexe de tous les joueurs, c'est de tout ouvrir, tout cliquer. Et vous avez un jeu qui dure 15 heures. Alors, il y en a 5. C'est des ouvertures de portes, de placards et de tiroirs. Faudrait peut-être que ça passe comme mode. It finished up beached at the entrance to the harbor. Je vais farfouiller un petit peu, hein, parce que je suis un peu une belette. Oh, voilà un nouveau. J'ai une prouve du skill. Mais bien sûr que t'as une prouve du skill, regarde. Tu as un point que tu peux attribuer à... On va vite déverrouiller ça. Comme ça, je pourrais être un vrai bourrin assez rapidement. C'est important.
Ça, c'est une carte au trésor, mais j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour les trésors, je ne suis pas un pirate. C'est uniquement pour me déguiser que je bois du rhum à 10h du matin. Car je vous le rappelle, un homme qui boit du rhum à 10h du matin, ce n'est pas un alcoolique, c'est un pirate. Ah, j'ai un bug. Ça doit être sympa de fouiller partout chez les gens. This man and Fitzroy could be twins. Bah, c'est lui en fait. Avec une jambe de wab. Je peux retourner la photo, mais c'est trop génial. What a macabre souvenir. What a macabre souvenir. Bah, tu peux faire une longue vue avec. Faut penser au recyclage, c'est important, les gars. The pièce principale, the échelle, on peut rien faire. Rien à cliquer là. Bon, bah, je pense que j'ai fait mon petit quart d'heure syndical. Il faut que je reparle à Fitzroy. D'accord, si tu veux. Mais il est parti. Et il m'a dit, rejoins-moi sur le... J'ai totalement oublié. Là, dehors. Ok. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman. Cat. N'est-ce pas la brunette du bistrot? Eh, Captain. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights of the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Non, je ne pourrais pas le rater. You know who the building belongs to, don't you? Bah, la miss. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. Mm-hmm. With whom, I wonder. I found a threatening letter signed by a certain Cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I was looking at your photograph. One of the men in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new.
Bon, si on allait se faire cet entrepôt, les aminches, parce que ça fait un petit moment qu'on tourne autour du pot. Ahoy! Oui, c'est important de saluer les autochtones. Bon, peut-être pas tous. Regardez-moi cette voiture qui est stationnée avec amour, de manière à ce que je ne puisse pas, mais alors vraiment pas, aller là où on ne veut pas que j'aille. Ah, encore un message de mon employeur. Oui, je leur ferai pas tout voir. Ah là là, sacré lui. En plus, donc, je vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de prononcer son nom, normalement. Sinon, j'ai des blâmes. Donc, chaque fois que je dis... Et vous connaissez la suite. Bah, faut vous dire que derrière, moi, j'ai plusieurs heures de boulot supplémentaire. Là, ce soir, j'ai 60 âmes à récupérer, à ramener. Ça non plus, faut pas que je le dise. Ok. Bon, ok. Je pense que pour aller dans cet entrepôt, il va falloir passer par cette trappe. Mais pour passer par cette trappe, il va falloir que je récupère quelque chose. Et pour récupérer quelque chose, il va falloir que je discute avec quelqu'un. Et pour discuter avec quelqu'un, il va falloir que je discute avec plein de gens. Et nous en sommes à combien de temps? À 50 minutes de stream. On va essayer de ne pas trop dépasser l'heure quand même. Want to know more? Go ask the captain. Good. Thank you. C'est ce que j'ai fait encore, mais faut arrêter. I shall take my leave. Donc mon boss est en train de m'envoyer, de me flooder de SMS pour me dire que il faut pas trop que je vous en fasse voir sur le jeu. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'avancer un petit poil. Si on peut avancer, oui, le passage est libéré ici. Ouf. Et donc, on va essayer de mettre au moins un pied dans cet entrepal. Tu causes pas, toi? Non. Vous vous causez peut-être, mais vous m'intéressez pas. Et cet entrepal est bien, bien, bien fermé. Je sens que je vais recevoir encore un nouveau message du boss. You live here? Boss, faut que je le fasse voir, ton jeu. We saw what you did to Saint Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Dark Water? Eh bien, vous savez ce qui va se passer, les amanches. The two guys behind you. What are they guarding? On va terminer le stream là-dessus, puis on le reprendra pour une deuxième partie. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Le boss a vraiment besoin de moi. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. We'll see you later. Alors, les amis, ce qu'on va faire avant d'aller interviewer ces deux charmantes personnes qui m'ont l'air prêtes à me recevoir, on va se quitter là-dessus. Et je vous donne rendez-vous pour un second stream sur cet appel de Cthulhu qu'on espère inquiétant, juteux et aux frontières de la folie. Je vous laisse avec les deux streams courants. C'est-à-dire la playlist généraliste et puis celle des shmup. Et puis je vous rappelle qu'on a aussi une playlist pour les Arcade Legends, toute fraîche. À demain 19h. Ciao, prenez soin de vous, prenez soin des autres.